Juste. C'est parti. Ah, écoutez, bonjour à tous, ici Pierre de Landquire, merci encore d'être là et aujourd'hui nous sommes avec Corentin. Corentin qui a été le premier investisseur dans le type d'offre en joint venture avec Landquire. Donc Corentin va vous parler en fait de son expérience pour vous, voilà, vous donner un peu les backstage d'un investissement chez Landquire. Donc, Corentin, comment déjà tu as entendu parler de Landquire, par quel biais? Alors, moi, c'est tout simple. Du coup, je connais Romain Danielou depuis tout petit. Mm-hmm. Donc, voilà, ça a été une évidence, on va dire, de le suivre dans cette expérience parce que bah, je le connais depuis tout petit. J'ai vraiment 100% confiance en lui. Donc, c'est par le biais de Romain que je connais Landquire. Super. Donc, Romain… Pour rappel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des cofondateurs de Landquire et qui s'occupe de la partie technologie et informatique et qui a fait aussi les premières acquisitions dans ce système. Donc, alors, sur quoi tu as investi? C'était le JV1, donc, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que c'était? C'était une parcelle qui était située où? À quel prix? Ouais, c'est ça. Donc, c'était une parcelle dans les environs de Miami. Mm-hmm. Le prix, c'était de 90 000 dollars, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Donc, voilà. Après, tout s'est fait naturellement. En fait, ce qui est facile avec vous, c'est qu'il n'y a vraiment rien à faire à part donner les fonds, on va dire. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt. Et c'est pour ça que j'ai opté pour cette situation-là. Et puis, voilà. Donc, c'est super. Je suis très content. D'accord. Et Robin, tu avais promis un retour sur investissement d'environ combien de pourcents? On était autour des 20%, il me semble, et du coup, bah, ça a été atteint logiquement, quoi. Mm-hmm. Alors, donc, ça a été atteint en combien de temps? Alors, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai investi le 30 octobre. OK. Et du coup, il y a combien de temps? Il y a 3 ou 4 jours, c'est ça que la vente a ouais. eu lieu? Mmh. Le closing, c'est ça, mmh. Comme on dit. Donc, voilà, donc, on peut dire trois, un peu plus de 3 mois, quoi. C'est ça, parce que si tu investis le 30 octobre, nous, en général, ça prend 1 à 2 semaines à acheter la parcelle. Ensuite, on va récupérer le titre de propriété, donc 1 semaine encore, pour pouvoir la mettre sur le marché. Et 3 mois plus tard, donc, on a trouvé un acheteur. Et aujourd'hui, tu as récupéré combien sur ton investissement de 90 000 dollars? Alors, j'ai pris des notes. Je suis à 106 698 dollars. D'accord. Donc, voilà quoi. Après, je vous laisse faire le calcul. Hein, c'est, Ça fait 16 000 dollars de profit sur 90 000 dollars d'investissement. On est aux alentours des 19-20% en 3-4 mois. Donc, tout à fait. Le système Landquire a bien fonctionné. Alors, aujourd'hui, question un peu rhétorique, mais on ne sait jamais. Est-ce que tu as prévu de réinvestir tes profits dans une nouvelle offre? Ouais, bien sûr, c'était la stratégie qu'on avait définie avec Romain. Mm-hmm. Donc, de continuer comme ça, échelon par échelon. Donc, pour l'instant, je suis satisfait. Donc, pourquoi pas continuer? Et c'est ce que j'ai fait, du coup, par ton biais, du coup, cette fois-ci, avec la plateforme. Là, du coup, j'ai pu choisir mon bien sur cette plateforme. Et mm-hmm. Qui a été validé par tes soins. Et du coup, voilà, on va enchaîner par la suite comme ça, quoi. Super. Oui, donc la plateforme Landquire Deals. Voilà, donc on a mis une nouvelle offre la semaine dernière. Corentin donc, a eu donc, l'information une fois que c'était mis en ligne et il a réservé le deal directement sur Internet. Et là, aujourd'hui, il va faire sa deuxième offre avec Landquire. Donc, pour utiliser en fait les intérêts composés. Il va réutiliser donc son profit pour faire encore plus de profit. Et au fil des ans, on peut partir d'un investissement de, disons, 100 000 dollars. Et au bout de 4 à 5 ans, avec les intérêts composés, on peut arriver à 400, 500 000 dollars de capital. Donc, c'est le but de Landquire. Et Corentin, on te remercie énormément pour ta confiance et ta fidélité. Et grâce à toi, voilà, j'espère que tu en motiveras d'autres à nous rejoindre. Ouais, c'est sûr. Bah, merci à vous surtout parce que c'est vous qui faites le plus gros du boulot. Mais ouais, c'est sûr que franchement, faut pas hésiter. C'est une solution
très facile de nos jours et avec tous les moyens qu'on a actuellement avec les technologies, tout ça, franchement, c'est super facile. Donc voilà, allez-y et foncez. Merci beaucoup, Corentin. On se dit à bientôt. Ouais, salut. Ciao, ciao. Ciao.